Chers amis de Métropolis, bonjour. Avec une production estimée à environ 1 600 000 tonnes, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial et exportateur de fèves de cacao, un ingrédient qui rentre dans la composition du chocolat. De cacao is a miljardenbusiness die de wereld verdeelt in snoepers en in sloebers. Wij Westerlingen hebben de luxe om van chocola te kunnen genieten. Maar die luxe is hier in Ivoorkust bij cacaoboeren zoals Unda Alphonse ver te zoeken. Je suis en train de chercher un peu de cacao. Vous voyez, oui. Ça là, sur le cercle, cette année-là, je n'ai rien eu. Okay. Et puis, prix de cacao là aussi, c'est pas monté, on ne sait pas comment faire. Alphonse is een van de 700.000 kleine boeren werkzaam in de Ivoriaanse cacaoteelt. Hij oogst en droogt de bonen, maar hij kan er zelf geen chocola van maken. Avec là, ces fèves là, est-ce que vous savez ce qu'on en fait? En tout cas, nous, on ne sait pas comment on prend le cacao là même pour faire. Mais comme on dit de prendre le cacao là, on est là pour prendre le cacao. Parce qu'on parle que le cacao là, c'est un manger. Mais nous, on ne connaît pas comment on prend pour faire. D'accord, moi, j'ai une surprise pour vous. Ouais. J'ai là dans ma poche là. Vous voyez, ça, c'est du chocolat. Ouais. C'est avec ça qu'on. C'est à partir de ce fèves là qu'on fabrique ça. Ah bon, c'est chocolat. Oui. Et... Pour goûter, voir. Ah bon. Non, prenez ça pour vous, allez-y. C'est doux. Oh, c'est doux là. Vous aimez? C'est vraiment intéressant. Le cacao là, ça bon truc. Ah bon? On mange. Vous aimez ça? Vraiment, on aime. Vous n'avez jamais goûté au chocolat? Non, non. On n'a jamais goûté au chocolat. Si c'est pas aujourd'hui. Unda verbouwt al jaren cacao, maar heeft dus nog nooit chocola van dichtbij gezien. Het enige wat hij doet is zijn bonen afleveren bij de tussenhandelaar. Maar nu hij ervan geproefd heeft, is hij meteen zo enthousiast dat hij vindt dat al zijn vrienden het moeten proeven. Hallo. Namo. Mimbi. Nikamalo. C'est doux. Il est le bon nom de mon. Chocolade is nauwelijks verkrijgbaar in Ivoorkust. Bovendien is het daar relatief duur. Een chocoladereep kost hier 2 euro per stuk. En Alphonse verdient maar 7,50 euro per dag. Van dat geld moet hij 15 gezinsleden onderhouden en betaalt hij 4 arbeiders. We zijn op de kleine plantage van Unda Alphonse, die druk bezig is om samen met zijn arbeiders de rijpe cacaovruchten te oogsten. Alors expliquez-nous qu'est-ce que vous faites là en ce moment. Pour que nous ne rentrons pas dedans. Pour s'armenter bien. Ici 5 jours avant de venir. Zo begint iedere reep chocolade als een bergje bonen op een bedje van bananenbladeren. Maar ook hier op de plantage blijken de arbeiders niet op de hoogte van het verdere verloop van de wereldwijde chocoladeketen. Alors le cacao, est-ce que vous savez ce qu'on en fait? On plante le cacao, nous on sait pas ce que le cacao s'en va faire en ville là-bas. Alphonse, là une surprise, le cacao, alors les gens l'utilisent pour faire le chocolat. Tenez ça, vous n'avez qu'à voir. Non, c'est manger pour les brins là. C'est ça qui s'appelle chocolat. C'est le cacao on prend pour faire. Ndiamo, il y a des cacao. Bon, tu peux faire mon bal, il y a coco bébé, boum, quelqu'un va faire. Il y a un de coco bébé. 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 Il y a cacao, il y a des 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 cacao. Nos vieux parents là, disent que cacao là, on prend pour fabriquer du vin. Voilà. Vin. Nous, quand on boit du vin là, on pense que c'est le cacao. C'est le cacao. Ah, le cacao qui est transformé en liquide. Autre chose encore. Ah, c'est doux. Pour préparer ça là, on met dans les casseroles. Ou bien. Ça commence à sortir.
ça va à l'usine. Mm-hmm. C'est une grande usine où vous avez des coins pour piler, mm-hmm. vous faites de la poudre, mm-hmm. et puis d'autres produits qu'on mélange et puis ça devient comme ça. Mais bah, c'est la graine de ça là, hein. Oui, ça c'est les fèves qui donnent ça. Est-ce que c'est cela que vous avez mangé et puis votre corps est bien propre, hein, à travers le chocolat? Ah, manger beaucoup. Oui. Non, c'est pas le chocolat qui a rendu. Mais vraiment nous, parce que Comme les enfants n'ont pas mangé aussi, je vais garder Chanté là, je vais la montrer. Ouais, mais c'est pas tout. Alfons en zijn harde werkers hebben de smaak meteen goed te pakken en zijn blij met iedere reep die ze gratis krijgen.